Comme pour répondre à son ministère de la chanson, cette voix mélodieuse s'est faite entendre depuis 1963 au collège protestant de Ouagadougou, alors que la jeune collégienne Wen Kouni Germaine Minungu n'avait que 16 ans. Je m'appelle Madame Zidouemba, née Minungu Wen Kouni Germaine. Je suis née à Tinkodro. Et j'ai été mariée à M. Zidouemba Joseph, qui n'est plus. Et par la grâce de Dieu, nous avons eu 2 enfants. Dieu nous a bénis aussi en nous donnant 10 de petits-enfants. Et je rends gloire à Dieu pour ses bienfaits. Et j'aime la musique. Et quand on est jeune, on veut faire des choses. C'est là que, c'est l'année scolaire 63-64, il y a un enseignant, un Togolais, enseignant qui est enseignant au primaire, ici, qui a formé une chorale. Mais la chorale était composée surtout de collégiens. Et comme j'étais au collège ici, bon, j'ai intégré la chorale, parce que je vais chanter. C'est comme ça que j'ai commencé. Il y avait le quart d'heure de l'évangile à la télé. On chantait là-bas. Et quand il y avait des rencontres, bon, je chantais pendant ces rencontres-là. Bon, les missionnaires ont enregistré mes chants ici pour faire des tournées missionnaires en Europe. Mais au grand public, c'était à la convention, je ne me rappelle pas exactement, ça doit être en 76. En 76, la grande convention que j'ai chanté avec la grande chorale de M. Dean, qui était missionnaire à Koudougou. Je pense que c'est à ce moment que les gens ont commencé à me découvrir. Je me souviens que quand on était au collège, on nous parlait d'une fille de Tinkodoro qui chantait très bien à Lumbila. Et puis, un 24 décembre, elle est venue. Puis effectivement, elle a chanté « Voici Noël ». Et ça a marqué tout le monde. Après ça, tout le monde en parlait à cause de la qualité de sa voix. Ce qui m'a encore marqué dans sa vie, la deuxième phase, c'est lors des conventions. Convention de la JAR, convention. Les années 76 à 80, où elle a chanté avec la grande chorale de M. Dean. Et là, vraiment, ça a été, j'allais dire, l'apogée de son ministère de chansons avec les grands ensembles. Les sources d'inspiration, c'est la Bible, la parole de Dieu. C'est aussi du vécu ou d'autres artistes. D'autres artistes qui m'ont inspiré, la parole, en lisant la parole, en écoutant les prédications. Pendant les séances de prière, j'ai eu à recevoir des chants comme ça. Bon, que quelqu'un m'ait accompagné. Et vous savez, il n'y a pas tellement de gens qui peuvent accompagner ici. Mais quelqu'un qui m'a accompagné, c'est pour le dernier album, pour un chant. Quelqu'un m'a accompagné, c'est le professeur Mahamadi qui m'a accompagné pour un chant. Pourquoi j'ai voulu faire une cassette? Parce que c'était pour 2 raisons. Ça faisait quand même un bon bout de temps que je chantais et il n'y avait pas de traces. C'est vrai que les missionnaires ont enregistré. C'est vrai qu'on a fait un album à Vim Kouera, mais c'était pour Radio Eloi. Moi-même, je n'ai pas cet album. On ne nous a pas donné. Bon, mais au niveau du Burkina, comme ça, il n'y a pas de traces. Bon, actuellement, on cherche les chants que j'ai chantés avec la grande chorale à la convention. On n'en trouve pas. Donc, il n'y a pas de traces. J'ai dit, mais il faut que je fasse quelque chose pour laisser une trace
pour la jeune génération qui monte, pour qu'ils disent « Ah, il y a une femme qui chantait ici, mais nous aussi nous voulons chanter comme elle. » Et la deuxième raison, j'ai lu un livre où lors d'une séance d'évangélisation, une femme a chanté et c'est le chant que quelqu'un a écouté et qui ne s'est pas converti le même jour. Mais le chant l'a tellement accompagné tous les jours, jusqu'à ce que la personne vienne se convertir. Je me suis dit, bon, tout le monde ne peut pas venir à l'église, mais on peut toucher beaucoup de gens par la musique, par le chant. Vers ses chansons, elle a su encourager, édifier et soulager des cœurs attristés dans son environnement confessionnel et bien au-delà. Et dans ce domaine, vraiment, je suis content quand des gens m'abordent, que ce soit des chrétiens ou des non-chrétiens, pour dire votre tel chant m'a touché. Il y en a même qui entonnent, quand ils me voient, ils entonnent le chant. Des fois, je passe au marché, quelqu'un entonne le chant, ou bien on dit « Madame Zidouemba ». Je me trouve, vous ne me connaissez pas, je vous vois à la télé, mais votre chant-là me plaît. Alors, quand on te dit ça, ou bien votre chant, hein, quelle chanson? Il y a une dame qui m'a dit « Pour son yira sanamla », moi j'aime ce chant-là. Et je fais tout pour être comme ce que vous avez dit dans votre chant. J'ai été contente, j'ai dit que Dieu t'encourage et que tu sois une femme vertueuse. Il y a un qui est pasteur maintenant, qui est venu de Bougandé, exprès ici, chez moi ici, pour me dire, qu'il voulait me dire que c'est en écoutant mes chants qu'il s'est converti. Et c'est en écoutant qu'il a été appelé. Et que ça fait 14 ans comme ça qu'il est pasteur. Ça m'a encouragé. Il y a des moments de découragement. Et quand on dirait que Dieu sait quand je suis découragé, et d'ailleurs il le sait, il envoie quelqu'un. Il me dit, voilà, votre chant m'a fait ceci, m'a fait cela. Un missionnaire qui m'a dit que lui, il avait fait ses valises pour revenir. Et il a écouté, pendant que la cassette jouait, il a écouté, pense que c'est Gédion, un ami est là Gédion, il écoutait ça, et puis à la fin, il a déballé ses affaires, il est resté, il a continué. Bon, il y a beaucoup de témoignages comme ça, qui m'ont fait du bien à moi aussi. Ça m'a montré que je n'ai pas travaillé en vain, que ce que je visais a été atteint. Ce que je visais, c'est quoi? Le but de mes chansons, c'est de toucher les cœurs, consoler les cœurs, fortifier et inciter à faire de bonnes œuvres ou même à chanter encore. Donc, pour cela, je peux rendre grâce à Dieu. Dire que beaucoup de gens qui m'ont approché pour dire qu'ils ont été touchés, ils ont reçu quand même un bienfait à partir des chants. Ma plus grande joie, oh, à part le mariage et les naissances des enfants, si c'est dans le ministère de chants,
Le couronnement, c'était le 40e anniversaire du ministère de chant à la Maison du Peuple. Quand j'ai vu tout ce monde qui était là, les gens se piétinaient comme ça, ça m'a encouragé surtout, ça m'a réjoui. Cet artiste a béni l'Église pendant plusieurs années et continue à bénir l'Église par la louange, par l'adoration, par la mélodie qu'elle compose. Et certainement, de génération en génération, on va chanter les hymnes composés par Madame Zilouemba à la gloire de Dieu. C'était quand j'ai commencé à faire le premier album là. Bon, il n'y a pas de moyens. Bon, il n'y avait pas de musiciens comme ça pour accompagner. Ça, c'était... Ça m'a troublé un peu. Et puis, il y a eu les paroles des gens. Il y en a qui m'ont encouragé à aller, mais il y en a aussi qui m'ont découragé. Parce que quand on fait une cassette et qu'on vend, bon, si on gagne de l'argent dedans, est-ce qu'on aurait encore une récompense auprès du Seigneur? Bon, moi je comprends, hein, parce que ce sont des choses qu'on ne voyait pas ici. Et même jusqu'à présent, les gens, bon, maintenant ça a beaucoup changé, hein, beaucoup changé. Parce qu'on ne faisait pas de spectacle à la Maison du Peuple. Je voulais faire ça au début. On dit non, ça ne se fait pas. Tu vas faire du spectacle pour recueillir de l'argent et tout ça. Bon, j'ai laissé tomber parce que quand vous commencez, si vous ne travaillez pas dans la soumission, ceux qui vous suivent peuvent aller loin dans le dérapage. Donc il faut être soumis aux autorités, surtout autorités ecclésiastiques. Madame Zilouemba a une très belle voix. Et je ne voulais pas qu'elle dirige, parce qu'elle avait une très belle voix. Je voulais qu'elle reste dans la chorale, qu'elle fasse le solo s'il le faut. D'ailleurs, elle n'est pas une femme qui aime se quereller. Non. Elle est patiente, observatrice, amoureuse envers tout le monde. C'est une dame avec qui nous avons beaucoup appris. Et elle était vraiment... Il faut dire qu'il y avait vraiment l'amour entre nous, tous les éléments du groupe. C'est comme une famille, c'était comme une famille, donc... Vraiment, il y avait l'entente, il y avait vraiment... je ne sais pas ce que je vais dire vraiment, mais... C'était des gens que Dieu avait choisis pour qu'ils soient ensemble pour son œuvre. Le mot à dire à ceux qui m'ont accompagné jusque-là, c'est un grand merci. C'est comme j'ai dit, il n'y avait pas de musiciens au début. Et moi, je suis venu à l'église, bon, là, nous avons quitté... les différents points. On est venu à Tanguin. Bon, j'avais des jeunes musiciens à l'église. Et puis j'ai dit, bon, moi je veux faire un album. Je veux faire la musique moderne. Parce que j'ai chanté soit avec les tam-tams, soit en a cappella jusque-là. Mais bon, dans le monde là, c'est difficile de trouver un orchestre pour vous accompagner. J'ai dit, je vais aller recommencer avec vous. On va commencer, on va faire ce qu'on peut. Le Saint-Esprit fera le reste. Et puis nous avons commencé, on a pris un cœur. Ils étaient enthousiasmés, ils étaient contents de pouvoir faire quelque chose. On a commencé avec quelques-uns. Amidou, et puis Jacques. Bon, il y a pas mal qui sont décédés maintenant. Ensuite, David de Gouin, Jean Zida, Marcel Rapadmnaba. Bon, après, j'ai eu des femmes, Madame Yanoro Hélène, Madame Balima Lutz,
qui m'ont accompagné bon, jusqu'à un certain moment. Je dis merci à tous ces jeunes qui m'ont accompagné. C'est des chants à l'église ou bien des séances d'évangélisation, il n'y a pas d'argent dans ça. Mais chacun a pris ça à cœur comme un service de Dieu. Donc chacun a fait de son mieux. Moi j'ai choisi de rester comme ça, de ne pas en faire une profession et de servir le Seigneur avec le chant, comme quelqu'un qui balaie l'église ou quelqu'un qui essuie les bancs ou quelqu'un qui fait comme ça. J'ai quand même acquis quelques expériences, j'ai des conseils. Et donc il y a beaucoup de jeunes qui sont venus, surtout les jeunes filles qui chantent. Enfin, certaines sont mariées maintenant. Elles m'ont approché pour savoir comment j'ai fait pour tenir jusque-là et comment je fais, pour comment ça se passe. Bon. Je dis ce que je peux, je donne des conseils, j'encourage. Et puis il y en a qui, quand elles commencent à baisser les bras, je dis, toi tu continues, moi je continue de chanter. Ce n'est pas parce qu'on est marié qu'on s'arrête. on continue. Alors il y en a que je pousse comme ça jusqu'à ce qu'elles reprennent. Sinon, vite, elles s'arrêtent, je ne sais pas pourquoi. Je s'arrête de chanter. J'ai dit, vous n'arrêtez pas parce que moi, je n'ai pas encore arrêté. Donc, je continue, vous continuez. Bon, satisfaite. J'ai commencé à chanter depuis 1964. Et je n'ai que 8 albums. Je pense que ça devrait être mieux que ça. Mais c'est pour ça que je peux dire que je suis pas satisfaite, mais je rends gloire à Dieu pour ce qui a été fait, parce que c'est un problème de temps, un problème de moyens. Je n'en ai pas fait une profession, j'ai ma profession et j'ai fait la musique à mes temps libres. Donc compte tenu de tout ça, je rends grâce à Dieu pour ce qui a été fait, mais peut-être que ça devait être mieux que ça. J'aurais pu faire au moins une vingtaine ou une trentaine d'albums. Bon, je n'ai pas pu le faire, par manque de moyens. Mais ce qui a été fait, que le nom de Dieu soit glorifié. Cette voix reste et restera à jamais gravée dans les mémoires. Elle mérite bien nos hommages. Que Dieu bénisse Madame Zidouemba, que Dieu bénisse l'Église du Burkina. Je voulais vraiment, du fond du cœur, dire grand merci à cette grande dame que Dieu vraiment a choisie. Et elle a été le canal par lequel vraiment nous avons tous été bénis. Qu'elle persévère dans le don que Dieu lui a donné. Ce que je voudrais lui dire, c'est que le potentiel ne connaît pas de retraite. Zameye wenam, zamen wenam, zamen tor naba, zamen kato naba, zamen tirlem naba, suguru naba, nimban zweta, gurum naba, kolo naba, songor naba, zameye wenam, zamen. Ariyam saman bumma waninga komam yam kanoram purum zamen zameye wenam zaman wanim biwe zaman zaman biwe zaman 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 biwe
Zamye tongolo naba zamzamon biye Ariyam soman bumoninga koton lar posriyam zamye wenam zamo wanem biye zamye.